Alors, bienvenue dans le module 7 de. Un module dans lequel vous allez. Je vais vous dévoiler un secret. Le secret de travailler moins et avoir plus de résultats. De travailler, avoir une stratégie de travail. Vous ne pouvez pas. Il y a beaucoup qui vont prendre cette formation, qui ont pris d'ailleurs cette formation et ils ont encore d'autres activités là. Et puis, ils veulent cartonner sur Facebook. Ils vont avoir des résultats grâce à Facebook. Donc, du coup. Ils n'ont pas ce temps de passer presque toutes leurs heures, toutes les journées sur Facebook. Donc du coup, je vais vous donner une stratégie très capitale que vous allez utiliser 4 par semaine pour pouvoir avoir des résultats. Vous allez avoir des résultats. Cette stratégie que je vais vous dévoiler là, je ne l'ai pas trouvée. C'est que c'est une stratégie vraiment secrète que vous devrez adopter pour pouvoir avoir plus de résultats, surtout dans cette formation. Donc du coup, voilà. On va passer aux choses sérieuses. Il est possible de travailler 4 heures par semaine et trouver des clients sur Facebook. Cette partie vous permettra d'économiser un temps fou et d'optimiser les résultats sans passer par la publicité Facebook, bien sûr. Donc, vous êtes impatient de mettre la main sur le plan d'action, n'est-ce pas? Ouais, c'est normal. Quand j'ai dit secrète là, tout le monde est derrière. Ouais. Ok, d'accord. Allons-y. Le plan d'action. Pour que les clients viennent à vous, vous devez produire du contenu. Je l'ai dit dans le module, je crois, dans le module 3. Il vous faut produire de bons contenus, des contenus de qualité. Donc, pour trouver des contenus de qualité, j'ai déjà parlé de ça, donné des stratégies dans le module 6, je crois. Donc, du coup, allez regarder comment j'ai fait pour trouver des bons contenus et produire les bons contenus. Voilà. Donc, du coup, je continue. Je l'ai déjà mentionné plus haut. Donc, du coup, voilà. Je vais vous fournir un plan. De 7 jours, un plan de 7 jours, vous pouvez l'implémenter sur un mois si vous voulez, mais moi je vais vous donner un plan de 7 jours que vous allez adapter à votre business et avoir des résultats. Donc, votre travail commence le samedi, n'importe quelle heure, mais l'important c'est que vous devez commencer votre travail là le samedi. Mais sachez que vous devez y consacrer au minimum 2h30, 3h, mais bon, 2h30. Les 2h30 va vous permettre de faire quoi? De créer 3 posts. 3 posts que vous allez créer le samedi. Lorsque vous aurez votre temps, prenez votre temps le samedi et créez 3 posts. Si vous avez été attentif, vous êtes sur les parties précédentes. J'ai parlé de ce que vous devez publier selon votre business. Donc, du coup, allez regarder le module 6, si je le dis toujours, pour pouvoir savoir quoi publier quand vous êtes sur votre business et autres. Donc, c'est votre niche très, très capitale pour trouver des bons contenus et publier. Maintenant, vous allez aussi, si vous avez des sites, il y a des sites de contenu libre de droit que vous pouvez utiliser. Hein. Libre de droit que vous pouvez utiliser. Mais si vous avez déjà sur Google, tape un instant. Je vais vous montrer ça. Site de contenu libre. Droit, je l'ai utilisé en temps. Je vous montre le site là. Rapidement, je l'ai utilisé en temps. Il doit être quelque part ici. Ça doit être dans 39 sur 4. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est sèche, je crois. Hein. Ça va être sèche. Un instant, je vous montre le site. Il y a tellement de sites sur lesquels vous pouvez aller pour trouver des contenus libres de droit. À vous de voir. Contenus libres de droit, je parle de l'image par exemple. Vous pouvez aller sur Pixabay pour les images. Je vous montre. Pixabay, ça permet d'avoir des images qui ont trait avec votre business. Pixabay. Pixabay, pour, je parle de 30 blogs libres de droit. Voilà. Vous montrer rapidement là vous pouvez trouver votre voilà Pixabay. Ici vous pouvez trouver des images libres de droit, ici des images libres de droit, des meilleures images, c'est gratuit, vous allez les uploader simplement. Moi je parle de sport par exemple dans ma niche, donc du coup je vais mettre un sport. Je vous montre hein, comment vous allez faire rapidement pour avoir une image libre de droit, les contenus que vous voulez choisir. Sport. Tac, tac. Je l'ai pris deux fois, je crois.
sport. Donc, j'aurai des images libres de doigts que je peux uploader. Je peux utiliser sport, j'ai dit sport. Voilà. Ça, c'est des images très captivantes. Regardez cette image. Vraiment top. Cette image. Je vais cliquer là-dessus. Je vous montre comment là-haut, tant sur le site, vous pouvez utiliser ces Pixabay pour avoir des images de qualité. Regardez ça. Ça, c'est un ballon. Je cherche pas. Je vous montre en fait. Sur ce site, vous pouvez avoir beaucoup, 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 près des millions de contenus. Voilà, près de 30 millions de contenus de qualité. Donc, voilà. Si je veux, voilà, moi je fais comme ceci, simplement je le télécharge. Si vous voulez, vous pouvez enregistrer sur l'image, simplement c'est top. Et je peux avoir l'image. Voilà, je peux avoir l'image. Et je peux l'utiliser pour mes posts. Je vous montre en fait le topo. Maintenant pour le contenu de qualité, vous allez juste écrire votre, comment on appelle, la question que les gens posent souvent. Vous allez poser votre question ici dans le moteur de recherche Google. Par exemple, moi je peux mettre disons je vais mettre quoi là, tout ce qui a sport, par exemple là. Je vous mets tout pour que vous voyez comment on le fait. Et je vous montre. Et je mets. Pourquoi avoir. Qualité. Déjà, quand vous posez ce genre de questions, quelle différence un vrai maillot et un faux maillot? Il y a un test là, 5 conseils pour faire la différence faux maillot. Maillot de sport, Republica, quoi, maillot de. Sont vraiment différents. Voilà. Par exemple, si regardez cet article maintenant ici, il parle de maillot de qualité. Donc, vous allez seulement aller dessus, copier votre truc et ajouter. Oh là là, ça c'est ça très. Non. Ce que je veux, c'est le test. Et voilà, 5 maillots. Donc, du coup, on va voir et vous allez copier juste. Je vous montre comment vous allez faire. C'est tout 5 conseils pour faire la différence entre un vrai maillot et un faux maillot. Donc, du coup, comme le produit que moi je vends, c'est les maillots. Vous pouvez copier déjà les conseils qu'on va vous donner ici et les uploader sur votre compte Facebook et sur votre groupe de niche. Déjà, si vous faites bien les choses et vous commentez bien, vous donnez bien des conseils dans le groupe, l'administrateur va vous laisser et vous pouvez partager votre contenu. Et quand vous allez partager votre contenu, s'il vous plaît, il faudrait que le contenu ne soit pas beaucoup trop long, sinon c'est pas trop top. Donc, du coup, ce que vous allez faire, oui, j'accepte. Ce que vous allez faire là, c'est de copier si vous voulez. Vous le copiez, vous n'allez pas mettre les 5 noms quand même. Vous pouvez donner 3 conseils ou 22 conseils pour savoir la qualité. Voilà. L'important, c'est que le contenu ne soit pas trop long. Et moi, je privilégie le fait d'écrire en fait la question en anglais et d'avoir le post en anglais de le modifier en français. Là, vous aurez des trucs de qualité. Parce qu'en français, vous n'aurez pas beaucoup de recherches quand vous tapez votre question. Donc, après ça, on continue. Quand vous faites ces 3 posts, vous voyez comment on peut trouver les posts de qualité. Donc, d'accord, quand vous faites les 3 posts là, de qualité que vous avez, en 3 heures, vous pouvez déjà avoir votre post de qualité, les images que vous pouvez les attribuer grâce à Pixabay. Et vous allez ajouter, vous allez avoir ces 3 posts là. Maintenant, vous avez aussi les sites sur lesquels, voilà, je viens de vous parler de comment vous pouvez avoir. Maintenant, après avoir les 3 posts, le samedi, vous rédigez les 3 posts que vous allez publier sur votre profil et dans les groupes où se trouvent vos clients potentiels. N'oubliez pas les conseils donnés pour mener bien le partage de votre publication. Donc, vous ne devez pas partager votre publication de votre post, de votre profil vers le
faire le groupe, même plutôt partager directement, copier votre contenu et coller-le dans le groupe. C'est simple que ça, c'est bon. Les administrateurs aiment quand on donne de la valeur que de partager directement de votre profil vers le groupe. Ils détestent ça. Donc après ça, le samedi, vous savez ce que vous avez fait. Vous avez créé les trois posts. Bon, maintenant, vous avez les trois posts. Vous devez faire. Maintenant, vous avez trois posts. Comment vous allez répartir vos trois posts là? Le lundi, vous allez publier le premier post sur votre profil. Le lundi, c'est ça que vous allez faire. Publier votre premier post sur votre post. Et publier en même temps dans les groupes de votre niche. Dans le groupe de votre niche, c'est pourquoi je vous dis, c'est tantôt d'avoir 5 groupes de qualité, 5 de meilleure qualité. Et c'est ce genre de groupe-là, c'est ces 5 groupes-là, c'est 5 groupes que vous allez publier. Donc du coup, vous publiez dans ces groupes-là et vous aurez des interactions. Vous serez juste dans les commentaires, répondre aux gens, c'est tout. Donc vous avez déjà vous avez fait déjà vos posts. Le mercredi, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous publiez sur votre profil seulement le mercredi, mais ne partagez pas votre publication de le mercredi dans les groupes. Elle est consacrée aux personnes qui vont commencer à vous suivre. Donc, quand vous avez mis un bon post le lundi dans les groupes, ces gens de personnes vont vous donner, vous aurez sûrement les demandes d'amis dans le groupe, sur votre profil. Dans la semaine avant le mercredi. Donc du coup le mercredi, maintenant vous allez faire un post, mettez un post de qualité sur votre profil et non dans les groupes aussi, parce que l'administrateur va croire que vous êtes la pause parmi son groupe. Donc du coup vous mettez les posts le mercredi, le post que vous allez faire le mercredi là, c'est que les trois posts que vous avez fait déjà le samedi, le deuxième post maintenant vous allez le poster le mercredi sur votre profil, vous n'allez pas le partager dans les groupes. Le vendredi, qu'est-ce que vous allez à faire le vendredi? Donc, vous publiez votre troisième post sur votre profil et vous le publiez également dans les groupes maintenant le vendredi. C'est que le lundi et le vendredi, vous partagez les trucs sur votre profil et sur les groupes de votre niche. Le mercredi, vous partagez uniquement sur votre profil. Et le vendredi, vous partagez encore sur votre profil et sur les groupes. Maintenant, après ça, pour la publication et le partage, vous pouvez prendre 30 minutes. Moi, je prends généralement 15 minutes. J'ai sélectionné les groupes où mes clients potentiels sont présents. Donc, je vous ai dit de présenter et d'avoir 5 groupes. Si vous avez 5 groupes là, vous aurez la main sur ces 5 groupes là. Et donc, du coup, vous allez mettre votre post dans ces 5 groupes là. Dans ces 5 groupes le vendredi. Cette stratégie, ça marche de tonnerre, je vous jure. Cette stratégie que je viens de vous dévoiler, ça marche de tonnerre. Parce que quoi? Quand vous faites ça, votre post déjà le samedi, le lundi vous uploadez, le mercredi vous uploadez, le vendredi vous uploadez. Simplement, dans l'espace de votre journée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez une heure de votre journée, par exemple le lundi après avoir fait votre post le lundi dans la matinée. Mettez votre post souvent dans la matinée parce que les gens vont plus regarder dans la journée. Donc du coup, 9h, 8h, c'est bon pour mettre votre post. Vous mettez votre post là et après de 13h par là, les gens sont déjà en pause, ils vont lire votre truc. Donc du coup commentez, vous pouvez rester là commenter le post, ceux qui vont commenter, ceux qui vont liker votre post, laissez leur un message leur disant que vous aimez le fait qu'ils ont interagi avec votre post. Donc s'ils sont intéressés avec beaucoup de choses, n'hésitez pas à te laisser un message. Donc du coup voilà, c'est comme ça, je vous jure que cette stratégie secrète là, ça marche de tonnerre. Je l'utilise vraiment, vraiment tous les jours. Je l'utilise vraiment presque tout le temps. Moi, j'ai toujours cette stratégie que j'utilise et ça m'aide énormément. Donc, en 4 heures de temps dans la semaine, vous pouvez déjà générer beaucoup de résultats, générer beaucoup de ventes grâce à cette stratégie. Donc, voilà, vous aurez aussi le PDF, ce document ressources dans le module ressources. Du coup, vous pouvez revenir aussi sur ça, lire et comprendre. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, et vous avez compris. Vous ajoutez simplement vos posts dans le groupe. Le mercredi, vous mettez votre post sur votre profil. Le vendredi, vous mettez encore le post dans le même groupe. Et puis, vous attendez juste que les gens vous laissent un message privé. Et ceux qui vont liker le post, vous les DM simplement pour laisser un message privé, c'est tout. Voilà.
L'important, c'est d'être ami avec les gens. N'allez jamais dans l'inbox de quelqu'un pour parler de je vais te vendre quelque chose. Ayez cette technique de vous êtes dans son inbox, c'est pour être son ami et lui poser quelque chose derrière et non de lui vendre directement. Donc voilà, on va finir sur ce module 7 de ça. C'est un message secret que je vous partage aujourd'hui. Allez. Portez-vous bien, on va passer au module 8, le gros hacking.